tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très très belle année 2024, les amis. Nous, on se retrouve pour l'épisode 120 de Road to 1 million. Alors, c'est assez ouf, hein, ça fait déjà 120 épisodes qu'on est ensemble, qu'on vit cette aventure. J'aimerais vous remercier, profiter de ce début d'année vraiment pour vous remercier de tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Juste en un mot, hein, la chaîne YouTube, c'est pratiquement 1800 abonnés cette année. C'est notre grosse première année sur YouTube et donc ça fait extrêmement plaisir. Donc encore une fois, excellente année à tous les amis. Et on va commencer tout de suite effectivement cet épisode 120. Alors on va faire un petit peu quelque chose, j'allais dire, de particulier. Alors pas vraiment parce qu'on va augmenter la population. C'est un peu notre but ultime, aller au 1 million de population. Mais là, ça serait bien qu'on fasse apparaître le chiffre 24 ici et être à 224 000 populations. Ça serait plutôt pas mal pour l'année 2024 d'afficher ici à la fin de cet épisode 224 000 populations. Alors on va y aller. Juste petit récap de ce qu'on a fait lors de l'épisode précédent. Hein. On a, pour ceux qui ont raté peut-être l'épisode, les 4-5 derniers épisodes où on a vachement galéré. Mais ça y est. Ouh, bah tiens, ça tombe très bien qu'on arrive, qu'on regarde ici parce qu'il y a une pénurie de cuivre au niveau de TP Grande. Voilà, donc on a fait ça en fait. Hein, donc on va régler ce problème. Mais on a fait effectivement les scooters plus les ventilateurs. Et là, vous avez pratiquement toute la chaîne de production des scooters et des ventilateurs. Plus les petits vergers qui sont là, qui permettent de faire certains des matériaux nécessaires aux ventilateurs, aux scooters, voilà, donc grosse île avec des vergers, voilà, tout ça se réorganise gentiment, et donc aujourd'hui, on va aller à Crownfall, agrandir notre ville, alors agrandir, pas tout à fait, on va plutôt faire évoluer des maisons, et je vais commencer, alors à Crownfall, petit bilan, on est à 218 000, hein. On voit que j'ai pas mal d'ingénieurs, j'en ai 32 000, j'ai beaucoup d'investisseurs, 55 000, j'ai 39 000 artisans, c'est beaucoup également. Alors j'aimerais commencer par changer des artisans en ingénieurs, je pense que ça peut être pas mal. Essayer de profiter aussi de la centrale à gaz qu'on a mis ici. Alors après, ça va pas nous faire énormément augmenter la population parce qu'une maison d'ingénieur c'est 78 habitants et une maison d'artisan c'est 70, donc ça va faire plus 8, mais bon, c'est déjà ça. Je vais y aller, je vais améliorer ici, je vais finir celles qui sont là. Alors j'hésite même parce que là en vrai on a plus de, ah si, elles sont pas mal celles-ci parce que elles bénéficient du On a elle qui est pas mal là, Saint-Artois, qui donne plus d'habitants par maison. Et on a même lui, Jacob, qui fait que finalement là, nos maisons d'ingénieurs, il y a 98 personnes. Et on arrive pratiquement à toucher partout avec l'électricité, ouais, donc avec l'électricité, pardon. Donc ouais, on va augmenter ces, ici, de ce côté-là, des ingénieurs. Là, on a qui? Là, on a un seul PNJ. Il y aurait peut-être moyen d'en choper un autre, peut-être pour augmenter également la population au niveau de cet hôtel de ville. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici au niveau de cet hôtel de ville? Je vais voir un petit peu ce que j'ai. Alors, le revenu en plus, franchement, je m'en fous. Ça aussi. Les habitants dont le besoin en pub est satisfait reçoivent bière. Ouais, on n'a pas un truc incroyable en vrai là en légendaire de dispo. Alors ce qui pourrait être intéressant de voir aussi. Je regarde les légendaires et les épiques. Hein. Les résidents dont le besoin en pub est satisfait reçoivent saucisses, pain, bière et église. Ouais, mais ça c'est pas trop pour les ingénieurs. Je vais voir si on aurait quelque chose de pas mal à mettre. Alors lui, on l'a déjà x3. Non, c'est pas ouf. Hein. Ah là, peut-être celui-là. Plus 3 habitants supplémentaires par maison. Affecte toutes les résidences de l'ancien monde du nouveau monde. Alors elle fait quoi, ce livre? La bulle sur la préservation prénatale.
Les résidents obtiennent des habitants supplémentaires par pain, conserve, université, café en poule. Ouais, donc ça, c'est très bien. Champagne, automobile à vapeur, on va la mettre. On va la mettre. Putain, en plus, j'en ai trois des bouquins comme ça. Ça, c'est gratuit en vrai pour faire augmenter la population. Alors là, ils arrivent. Je vais essayer de placer également une petite... Ce serait bien d'avoir ici une petite mairie supplémentaire. Parce que les mairies, elles sont utiles en vrai. Parce que via les mairies, on a ça. Ouais. Bon, mais c'est pas incroyable en vrai. Moins 30% de conserve. C'est pas terrible, il y a la mairie. Alors, je vais regarder vite fait dans l'institut de recherche si on a des choses intéressantes. Alors, j'aime pas, j'ai fait des évolutions de maison et je vois que ça... Et je vois que ça baisse, ma population. On n'est pas près d'arriver à 224 000 comme ça. Est-ce que dans le développement d'objets, j'ai des choses de mairie qui sont intéressantes? Je pense que ça, non, ça non plus. Les résidences habitants... Ouais, ça, on l'a déjà. C'est la fameuse bulle, là. Ouh, plus 9 habitants. Les résidences obtiennent des habitants supplémentaires par téléphone et tour radio, plus 9. Non, on m'a décerné une bourse pour... des téléphones. Ah oui, mais ça, c'est pour les érudits. Ça fait plus 9 érudits par maison. C'est moins fou que... C'est moins fou que ce qu'on pensait. Je vais quand même le mettre en route. Parce qu'en vrai, on peut le faire. Hein, 9 par maison, ça peut être pas mal au niveau des érudits, en vrai. Voir ce qu'on a d'autre. Je vais faire que les épiques. Hein. Ouais, non, on n'a pas grand-chose de mieux. Je vais quand même regarder, vu qu'on est ici, on va se faire quelques petites recherches, des petits talents, là. En espérant... Oh, ça serait beau de trouver Faras pour le... Alors, je sais plus si c'est Faras ou Feras, celui-là qui donne plus 50% de production en plus. Ça serait beau de le trouver pour la nouvelle année. Alors, lui, il est pas mal, en vrai. Ouais, on va prendre ça. Je regarde quand même, là, quand il y a un légendaire... Alors, on va se faire 4 tirages, comme d'hab. Est-ce qu'on va trouver Feras? Ça serait trop beau. J'ai eu de la chance jusqu'à présent sur les tirages. Mais bon, pas sûr que ça... Pas sûr que ça dure. Allez, un petit dernier. Boucherie plus 40%, elle est pas mal, elle. Bon, bah écoute, on n'a pas trouvé des mecs incroyables, mais bon. Alors, on est repassé à 218 000, je suis quand même curieux de voir ce qui se passe. Pourquoi ça baisse? Alors, je sais que j'ai un petit souci au niveau des tapisseries qu'on va régler également aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe au niveau des tapisseries. Ouais, c'est pour ça qu'on a baissé, parce qu'on avait ce petit souci. Alors, je vais avoir quand même beaucoup plus d'ingénieurs, là. On va bien augmenter ici. Je vais voir, ça m'a mis combien d'habitants en plus? Là, je suis à 76. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ça me fait pratiquement plus 6 habitants par maison, là. Et il continue d'arriver, en plus. 77, 78. Ouais, si, c'est pas mal, cette histoire de bouquin, là. Alors, je vais augmenter ici ma population. Je vais prendre ce quartier. Et celui-ci, je vais voir tranquillement comment ça se comporte. Allez, j'en fais encore un en plus. J'aimerais bien également avoir des investisseurs un petit peu supplémentaires pour les points de recherche. Alors, pas trop, parce qu'il faut faire gaffe aux ventilateurs. Mais je vais faire... j'avais commencé ici. Je vais continuer. Hop. Les investisseurs, ça va vite, par contre. Parce qu'une maison d'investisseurs, c'est 124 investisseurs.
contre 78 ingénieurs. Donc ça va assez vite hein, d'augmenter les ingénieurs en investisseurs. On va essayer d'aller chercher effectivement les 224 000. Ça serait pas mal. Il leur manque quoi, eux ? Ah ouais, ils ont pas le marché, les pauvres. Ah, j'avais dû le casser, le marché. On va leur faire un petit marché. Pas un petit entrepôt, un petit marché. En plus, je vais le laisser, le marché, quelques minutes, parce que tant qu'à faire, je vais également essayer de mettre des maisons supplémentaires un petit peu. J'hésite parce que j'aimerais que ma ville en fait ne finisse pas tout à fait droit, mais là j'ai un peu de place, hein. j'ai encore la montagne là. Là j'ai mon chemin de fer qui passe. Vas-y, je vais la jouer comme ça pour le moment. C'est vrai qu'à la limite, anticiper sur la prochaine mairie, ça peut être pas mal aussi. On va mettre les bouquins, là. On va mettre les petits bouquins. Voilà, là, on va avoir une petite place de mairie, tranquille. Monte assez vite la population quand même. Là, je vois qu'on est à pratiquement 220 000 déjà. Autant on va dépasser le 224 000 et l'effet du coup ne sera pas bon quoi. Après, il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, j'aimerais bien. Il y a un truc que je pourrais mettre en place aussi. Alors, peut-être pas tout de suite, mais je me dis qu'à terme, voilà, on a de l'électricité jusqu'ici. Ouais, on va peut-être caler un jour ou l'autre une centrale électrique de ce côté-là. Pour pouvoir desservir tout ça en électricité. Parce que là, on n'a pas d'électricité pour le moment. Alors effectivement, là, on va le mettre le bouquin aussi. En vrai, le bouquin, je vais le mettre partout. Hein. Plus 9 habitants... Enfin, plus 3 habitants par maison. Enfin, on va le voir, là, l'effet. Du coup, voilà, on est passé à 79 habitants autour de la mairie. Quand je tape à côté, on est à 70. Hein. Donc le petit bouquin, là, m'a fait plus 9 habitants. Je sais pas si j'ai des mairies un peu où je peux mettre des choses à l'intérieur. L'acteur, ici, on pourra le virer à terme. Ouais, la prof, elle est pas ouf. Elle me fait un bonus de revenus. Enfin, je vais voir si j'ai pas d'autres mairies un peu vides. Ah ouais, là, il n'y a rien. En même temps, il n'y a pas beaucoup de monde ici autour de cette mairie. Elle est un peu triste, cette mairie. Elle est un peu triste, celle-ci. Pareil, il n'y a pas grand monde, mais elle est un peu triste aussi. Elle est un peu vide. Le rayon d'action, elle est... Celle-là, elle doit être un peu... Eh ouais, celle-là, mais celle-là, forcément, je l'exploite. Alors, à chaque fois, j'ai mis cet objet. Alors là, on a qui ? Oh, le bonheur, je m'en fous du bonheur. Ouais, ça fait de l'attrait, on va le garder. Ouais, il est fort, lui aussi. Word où je peux mettre un petit peu des choses dans mes mairies. Alors attends, je dois en avoir là des mairies. Alors est-ce que ça va vraiment servir? Là il y a quand même du monde autour de celle-ci. Celle-ci elle est bien blindée. Ah, je crois que c'est blindé aussi là. Là on est blindé, là on est blindé. Mais là en vrai, il y a peut-être moyen d'aller jouer quelqu'un. On fait voir le bouquin. Les résidents obtiennent par poisson... Ça marche pour poisson, ça marche sur pain. Conserve, je sais. Ouais, on va faire plus 2. C'est pas incroyable. Poisson et pain, on va faire plus 2. Bon, en vrai, on peut le mettre là. J'en ai 3 des bouquins. Ah non, il m'en reste plus qu'un. Vas-y, je vais le mettre quand même ici. Et je vais aller en crafter d'autres.
Tu vas aller en crafter d'autres des bouquins. À la limite, on pourrait leur mettre une mairie également au niveau de l'institut, du coup. En plus, là, j'ai laissé une place. Bon, je vois la population continue de monter, donc ça, c'est bien. J'ai laissé une petite place. Ah ouais, ici, c'est parfait, hein. On va mettre une mairie, là. Ce serait le temps de la décorer un petit peu, le tour de notre institut, à l'occasion. Voir la meilleure façon de la placer, ouais, celle-là. Ça va nous faire plus 9. Ouais, c'est à peu près pareil. Je vais la mettre là dans un premier temps, cette mairie aussi. Seul un rustre voudrait un ah ouais, en plus, j'avais pas vu, mais là, la mairie, direct, elle me fait moins 30% de conserve et moins 30% de ragoût de pêcheur. Donc, c'est quand même pas mal, ça. Et en plus, on va mettre l'objet qu'on est en train de crafter ici. Je vais mettre les bouquins en route. Je vais en mettre d'autres, des bouquins, là. Ils sont pas mal. Il est où? Mairie. Il est là. Et on va en mettre... Ah, c'est 20 000 le coût de développement, quand même. Ah, je vais en crafter... En crafter deux. Hop. Ah ben, ça y est, il est fini. Donc, on va le mettre, là, le pépère... Alors, il est où? Notre nouveau collègue. Alors, c'est pas Ernest. Mais il va être où? Alors, normalement, je l'ai en x1. C'est pas ça. Ça doit être lui. Ouais, plus 9 quand même. Hein. Ouais, ils ont des téléphones. Ouais, je crois. Ouais, on leur a donné des téléphones. Ça va faire plus 9 quand même. Hein. Pas mal ça aussi. Hein. Tu sais, on est à 121 000. Putain, c'est fou, hein, parce que. On n'a quand même pas construit énormément de choses. Et là, quand on a tous les biens de consommation, on leur a mis pratiquement tous les biens à tous, quoi. Hein. Ça augmente très vite. Hein. Avec des petits quartiers ou des petites évolutions, on n'a pas non plus fait de grosses révolutions. On fait assez vite augmenter la population. Donc le câbleur, hop. Et en vrai, grâce à lui, à mon avis, on va pas être loin de débloquer les tours radio. Ils ont reçu les scooters, hein. Bon, là, quand même, on va essayer d'avoir au moins des artisans. Pas déconner avec ça. Alors, je vois que ma population, elle fluctue un peu. Les érudits, ça augmente. Qui est-ce qui descend, là? Ah, les artisans, ils descendent un petit peu. La vie est d'un banal. Non, ça a l'air d'aller. Oh, il y a peut-être des réajustements hein, de maisons, là. Ils sont en train d'être remplacés. Globalement, tout monte. Alors, j'ai un problème à régler. On va voir un petit peu. On va attendre que la population se stabilise tranquillement. Et on va aller voir. J'ai un petit souci au niveau de mes tapisseries. Alors, les tapisseries, on va direct faire une petite analyse du problème. Pour ça, on va regarder le stock. On va voir déjà l'ampleur du problème. Déjà, on a besoin de 10 tonnes à Kronfall de tapisserie. On a besoin de 10 tonnes. En plus, on a augmenté un petit peu mes investisseurs. Donc, on va en avoir encore plus besoin. Et donc on va aller dans réserve, on va taper tapisserie et on va voir un petit peu vraiment si notre manque est intense ou pas. Ça va, il n'est pas hyper intense le manque de tapisserie. Là par exemple, on n'est même pas là à zéro. Donc on n'a pas un gros manque de tapisserie, mais n'empêche qu'il y a un manque. On va quand même revoir sur les routes un petit peu la tapisserie, ce qu'il en est. Alors voilà, effectivement, j'ai une route. Ah, j'ai une route qui amène 150 de tapisseries. Donc déjà, ma route, en soi, le bateau, il arrive à amener 150. Ça veut dire que 150, ça ne suffit plus. D'ailleurs, il est en train d'arriver. Le bateau, il est en train d'arriver, donc ça serait bien de voir un petit peu l'état de mon stock en tapisserie. Il est à zéro. Donc là, cette fois, on a fait zéro. Donc vraiment, ça veut dire que mon bateau, déjà, ne va pas assez vite. Donc il va falloir un nouveau navire frigorifique. Et on va dédier un navire aux pipes en argile et un navire aux tapisseries. Ça, c'est clair.
Ouais. Donc il est en train d'arriver. On va quand même aller voir en Arctique. Pas du tout. À NBSA. À Taborimé, les tapisseries, comment elles se comportent. Putain, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'ai 6 usines de tapisseries. Elles sont un petit peu boostées. Non, elles sont... Si, elles sont un petit peu boostées. Alors, les tapisseries. Filature, tapisserie, plus 40%. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre un autre objet de corporation? Je sais pas, mais en tout cas, on va déjà voir si c'est pas juste le problème de bateau. Ah oui, on en produit... Ah oui, non, on en produit largement assez, donc c'est qu'un problème de bateau. C'est qu'un problème de bateau, je pense. On en produit 17 tonnes. Et on en a besoin de quoi? 12-13 tonnes. Si je fais ça, plus Manola... pas Manola, plus Cronfall. Ouais, 13 tonnes sur 17. On est large. Les tapisseries, on est large. Donc, c'est juste un problème de bateau. Donc, il faut attendre que mon bateau soit... soit créé. Il y a un truc que j'aimerais bien faire également pour augmenter ma population. C'est... Alors ça, ça va être un petit peu un truc un peu méchant. C'est-à-dire que les bijoux, j'aimerais leur bloquer l'accès aux investisseurs, aux bijoux ici, parce que les bijoux, ils me rapportent de l'argent. Soit l'argent, on voit, c'est plus un problème sur ma partie. Donc, je pourrais leur couper l'accès. Je suis à flux tendu sur les bijoux, en fait, parce que j'ai pas assez de minerais d'or. Faudrait que j'exploite plus de mines. Ça marche. On tient le bon bout. Mais je me dis, ce qui pourrait être pas mal, c'est les bijoux plutôt que les donner aux investisseurs. C'est les donner dans le nouveau monde. Vous voyez, vous pouvez me faire... Oh putain, j'ai pas réglé le problème ici. J'ai pas réglé le problème et du coup, ouais, il faut vraiment que j'amène plus de cuivre. Hein. Faut que je le fasse, ça. J'ai zappé, mais il faut vraiment que je le fasse, que j'amène plus de cuivre. Je vais le faire d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ouais, je disais plutôt amener... Il semble manque de relief, vous ne trouvez pas ? Amener des bijoux... ici, aux artistes. Et ça fait quand même 8 artistes en plus par maison. Ah, mais je vais le faire, ça, c'est beaucoup plus rentable. Et 40 pièces. On va mettre un autre navire frigorifique en route. Fais voir si je l'active le bien, là. Combien ils veulent de bijoux, ici? Ils veulent 4 tonnes. C'est pas énorme. 4 tonnes par minute, je pourrais mettre un cargo, en vrai. Donc à Cap Trelawney, ce que je vais faire... Un illustre personnage nous honore de sa présence. Tac, tac, je vais leur empêcher d'avoir des bijoux à eux, aux investisseurs, parce que l'argent, en vrai, je m'en fous. Hop, on va couper l'approvisionnement en bijoux. 122 000, on y est presque, là. Ça augmente gentiment la population. Je vais juste faire des amis artisans ici. Là, je vais finir mon allée, voilà, comme ça. Ouais. Donc, j'attends mon bateau. Je vais en faire un autre frigorifique. Je vais en faire un autre. Il n'y en a pas un seul qui est fait. Alors, est-ce que je pourrais profiter d'un bateau qui existe entre Cronfall et Manola? Je ne pense pas. Pour envoyer des bijoux. On va regarder. Parce que je pense que 150 bijoux suffit via un navire frigorifique. Cap Nouveau Monde. Manola Cronfall. On a du caoutchouc, on a de la bière. On a les ballons. Ouais, les ballons... Ouais, les ballons, ils repartent à vide, mais en vrai, on en a besoin de pas mal. Le chocolat, le café, les cigares, on a un... Ouais, on a un cargo plein. Les glaces, il est plein. Le mezcal, ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins maintenant. Alors c'est marrant, on envoie du bois à Manola. J'avais zappé ça, qu'on envoyait du bois à Manola. Ah non, pardon, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Il sert à quoi ce bateau là? Ce bateau? Il prend du bois à Manola? Et il envoie à Cronfall, je pense que j'avais dû me gourer. C'est pas possible ça.
Je vois pas l'intérêt de faire ça. De prendre du bois. Non, bah alors on va l'utiliser. Alors là, je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. C'est terrible, hein. Et on va plutôt charger ici. Des bijoux. Le bois, je l'amène via le port d'attache, en fait. Pardon, on va charger là. Des petits bijoux, on va en prendre 150. Alors, est-ce qu'il est pas... Ah si, il est full bois. Faut que je le chope. Je sais pas où il est, faut que je le chope. Il doit arriver à Crownfall. On va voir comment ça se comporte pour le bois. Mais normalement, j'ai pas de problème. J'ai pas de soucis de bois à Crownfall. Hein. Je sais pas à quoi elle servait, cette route. Il y a peut-être quelqu'un qui aura suivi... sur la vidéo YouTube, un épisode où j'avais mis cette route en place et qui pourra aller me chercher d'où ça vient. Mais alors, à TP Grandé, aïe aïe aïe, TP Grandé, vous rendez compte? Crownfall TP Grandé, c'est celle-là, ma route. Donc, on va aller voir, il va falloir mettre deux bateaux, deux navires frigorifiques, je pense, pour acheminer du cuivre. Il faut quand même que je regarde si à Crownfall, j'ai assez de cuivre en vrai. C'est pas mon stock à Crownfall qui fait défaut. Si, c'est mon stock à Crownfall qui fait défaut. On produit plus assez de cuivre à Crownfall. Ah ben ça, c'est un bon truc à voir. Donc c'est peut-être pas la faute du bateau. Et non, c'est pas la faute du bateau parce que le bateau, il arrive à peine en pente 95. Donc on va regarder comment on peut booster un petit peu la production de cuivre. Cet ingénieux appareil fonctionne. Sachant que, si vous rappelez du premier épisode de Road to 1 million, on a peu de mines, on a peu de ressources. Donc les bijoux, c'est parti. Hein. Je l'ai mis en route, hein, les bijoux. Hein. Les bijoux. Faut que je chope. Ah oui, attendez, je pars un peu dans tous les sens. Je vais choper le bateau avec le bois là déjà. Enfin oui, pour les bijoux, pardon. Il est où? Ah mais s'il est en train de repartir. L'aigle des mers, faut que je le stoppe tout de suite. Il repart avec son bois, il est par là, ça doit être lui. Ouais. Attends mon ami, vas-y jette tout par-dessus. Bon c'est pas grave, il va faire un retour à vide. Mais au moins on va avoir le temps de faire le plein en stock de bijoux ici. Et là on est bon. Hein. Route, je la revérifie quand même. On prend 100 à Crownfall et on va décharger à Manon là. Donc ça c'est bon. Par contre j'ai un problème de cuivre. Hein. Et je pense que j'exploite toutes mes mines. De cuivre, elle est où celle-là? Elle est là. Une. Calcaire, je m'en fiche. 2, 3, 4 et 5. Alors quand c'est comme ça, ça va vite être réglé. Destination. Import-export du cuivre. On va utiliser des moteurs. Hein. On m'a fait remarquer dans les commentaires, je voulais augmenter mon charbon et j'ai augmenté mon fer récemment. Alors je vais quand même regarder le charbon. Alors franchement des moteurs j'en ai plein. Je vais utiliser des moteurs hein, pour amener du cuivre. Alors j'espère que du cuivre j'en ai par contre. Je l'ai pas débloqué. Il me faut 12 accords d'import-export. Il me faut 12 accords. Ouais on peut les faire hein. Faut en rajouter 5. Putain, c'est ouf, hein. Faut en rajouter 5. C'est pas petit, ça, 5. Hein. Faut rajouter 5 modules, mais bon, pourquoi pas. Hein. Je vais le faire. Hein. Je vais les rajouter, les 5 modules. J'ai absolument besoin de cuivre, sinon des scooters et des ventilateurs, on va pas en avoir assez. Curieux de voir, d'ailleurs, ventilateur. Bon, on est bon, là. Et scooter. On est pas mal aussi. Alors, ce que je vais essayer de faire, on a notre bateau ici, on va mettre les tapisseries dans le vipère là. Alors, route. Alors, c'est Capenbessa. Alors, je dis Capenbessa, mais je clique pas dessus. Donc, ah, parfait, il est en train de repartir en plus. Donc, lui, il va... me prendre à présent
que des tapisseries. On est full, c'est très bien. Ok, et le vipère, il va me prendre que des pipes en argile. Alors, entre Taborimé et Cronefall, on va mettre le vipère. Tac. On va en prendre 300, hein. On va faire tout le bateau maintenant, on va plus s'embêter avec ça. Taborimé Cronefall, on est parti. Ross, nouveau monde MBSA. En vrai, quand c'est des problèmes de bateau comme ça, les problèmes de ressources, c'est facile à régler. Alors, c'est Cap MBSA. Ok, c'est bon. On a combien? Ouh, on y est bientôt là, au 123 700. On est bientôt au 124 000. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va même les dépasser, les 124 000. Parce qu'avec l'histoire des bijoux qui vont me faire 9 artistes par maison, on risque de les dépasser. On peut remettre des bulles là en plus. Hein. Je peux encore remettre des bulles. Ah oui, je l'avais mis ici, ok. Là, on est full, on a dit. J'aimerais bien la mettre, celle-là. Franchement, elle est pas ouf. Hein. Bonus de revenu 5. Celle-là, elle est pas ouf. Hein. Risque d'épidémie. La prof, là. Je vais l'enlever. Je vais plutôt mettre la bulle. Mais là, c'est sûr, on va dépasser les 124K. Hein. Les 224K, pardon. C'est sûr. Alors on a dit, il faut régler le problème, je l'ai mis quand même, hein. Bon, tant pis, ça va augmenter tranquillement. Il va nous falloir 5, là je peux pas ne pas les faire, à moins que dans le nouveau monde, j'en ai pas du cuivre, hein. Non je pense pas, hein. Le cuivre ça n'existe pas dans le nouveau monde. Alors il y a peut-être un move avant de faire ça quand même, je vais regarder à Cap Trelawney sur mes îles, si j'ai pas des mines de cuivre, ah, là j'en ai une. Alors celle-ci est exploitée. Ouais mais bon, pas boosté par l'électricité, c'est long quoi. Est-ce que par contre on n'aurait pas moyen de booster un peu les mines existantes là avec une corporation pour une mine, c'est chiant. En vrai, là, on pourrait presque avoir les deux corporations. Là, fais voir si je, si je mets une corpo ici. Tiens, on va essayer avant de... Alors, ce que j'aimerais bien, bien voir déjà, c'est faire cuivre. J'en produis 10 tonnes. J'en ai besoin de combien? Je les envoie. Le cuivre, là, je l'exploite. Ah, je l'envoie peut-être à... Le cuivre, je pense que je l'envoie... Je dois l'envoyer à Molière. Ouais, j'en ai besoin de 4 tonnes. Et je dois l'envoyer également, du coup, à TP Grande. Et là, on explose. Ah ouais, on explose bien, bien, bien. Hein. C'est pas une corporation. Non, mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse venir du cuivre via le port d'attache. Hein. Je vais mettre une corporation qui va booster une mine, même à 300 ou à 400%. Ça va pas changer la face du monde, quoi. Donc non, j'ai besoin de passer par le port d'attache. De toute façon, le port d'attache me sert à ça. Hein. Il me comble le peu de... Alors... Ah, les bureaux d'exportation, malheureusement, je peux en mettre que 3 de plus. Je peux en mettre que 12. Parce qu'on les débloque, je ne sais plus comment, d'ailleurs... En faisant évoluer des ressources, je crois. Je sais plus comment on débloque plus d'emplacements. Là, j'en ai 6. Punaise, j'ai pas de cuivre. Je vais pas avoir de solution pour le cuivre. Je peux en mettre que 3.
Ah oui, c'est ça, c'est en faisant... Ah ouais, c'est en faisant monter des marchandises, là, que je débloque des... plus de dépôts, plus un bureau d'exportation. Mais là, je fais plus rien bouger depuis longtemps. Parce que mon... Je me sers de l'hélium. L'hélium, il est monté où? L'hélium, je l'ai mis niveau 3, là, mais autant il est supérieur. Il est où, l'hélium? Je m'attendais pas à ce problème. Un problème pour commencer l'année. Ouais, lui, il est déjà niveau 2, l'hélium, en fait. Ah oui, l'hélium niveau 2. Ah oui, ils sont déjà niveau 3. Non, mais en fait, ça va. Niveau d'exportation atteint. Ah, mais attendez, si je fais ça... Si je fais ça, par exemple, ça me débloque pas? Hop. Pour de la marchandise. Non, je crois pas. Je crois pas que ça a débloqué quoi que ce soit. Ça, c'est pas possible. Ah si, quoique. Peut-être. Il était à 4000, il était bloqué. Fais voir, ça m'a fait plus 2 ou pas? Ça serait fou. Non, ça m'a pas du tout fait plus 2. Je suis toujours à bloquer à 12. Faudrait que je fasse... malheureusement, faudrait que je fasse monter d'autres marchandises pour débloquer... pour débloquer plus d'emplacements. Il m'en manque pas beaucoup, il m'en manque 2. Faut en avoir 14, c'est ça? Faut en avoir 12. Des bureaux d'import-export, là j'en ai 7. Attends, mais je comprends pas. Bureau d'export-import, ils m'en mettent 9 sur 12. Sur l'île, 9 sur 12. Quand je vais là-bas, il me dit que j'en ai que 7. Un truc que je peux... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, fais voir, par exemple, j'en rajoute un. Je tente un truc. J'en rajoute un, je peux en mettre 3 de plus. Hop. Bon, là, forcément, je passe à 10. Ah, actif. Ok. Faut en avoir 12 actifs, mais ça c'est pas très compliqué, mon ami, d'en avoir 12 actifs pour le débloquer. Oh non, c'est même hyper simple. Ah, mais me voilà rassuré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avais pas lu le petit actif, c'est vrai qu'on y va peu souvent. Bon alors là, c'est hyper facile finalement, mon histoire. Ah, me voilà rassuré. 224 000 populations, ça y est, l'objectif est atteint. Bon alors avec les bijoux, on va l'exploser. On va dépasser les 225 000. Bah non, bah en fait, actif. Ah ouais, mais actif, ça veut dire que... Est-ce qu'ils vont se redébloquer? Est-ce qu'ils vont se rebloquer si je vire les marchandises? Je vais essayer de faire un test un peu bateau. Je vais prendre par exemple un truc que je sais que j'ai à foison. Le poisson, par exemple. Si je fais ça. Le poisson... Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Mais attends, est-ce que déjà j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il m'en manque un. Déjà il va m'en manquer un. Faut que j'en ai 12 actifs. Donc hop. Je vais tenter. Parce que ça, j'ai jamais, en fait, j'ai jamais eu à besoin de choper du cuivre. Tenter un truc un peu bateau. Mais je m'en fous hein, de ce que je mets. Je vais faire ça. Je vais mettre 1. Bon, attends, on va mettre 10. Allez, pour... Oh, putain, combien il en faut pour en avoir 1? Voilà, 20. Vous me voyez venir ou pas? Et là, je le débloque, le truc, hein. Est-ce que c'est si... Est-ce que c'est si con? Attention! Et voilà, j'ai débloqué. Mais est-ce que si je l'enlève? Ben non, c'est bon. Ouais, c'est complètement stupide. Ok. Mais voilà, c'est débloqué, c'est ce qu'on voulait. Je vais pas faire plus de... Voilà, je vais pas faire plus de... De cinéma, quoi. Hein. C'est bon, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on va échanger? Je pense qu'on va échanger encore des moteurs, parce que les moteurs, ça se porte plutôt bien. J'ai besoin d'aller voir le charbon après, si on en a assez, parce que je voulais augmenter le charbon, a priori, la dernière fois, et j'ai augmenté le fer. Ouais, des moteurs, hein. Faire des moteurs, hein. J'en ai 2400. Hein. Voilà, hein. Ouais, je vais en mettre... Je vais en mettre combien? Je vais en mettre 15. Avec ça, on devrait être pas mal, hein. Après, du coup, on a débloqué le minerai d'or aussi qui pose souci, mais bon. Je pense que c'est bon, le cuivre, on a résolu le problème, hein. Par contre, faudra voir parce que c'est pas sûr qu'un bateau suffise, hein. Ouais, ça y est, on a allègrement dépassé les 200, les 224 000. On va même peut-être faire 226 000. Je veux juste voir un truc, c'est le charbon ici. Est-ce qu'on en a assez? On en a assez, ok. Et deuxième chose que je voulais voir... C'est... Dernière petite chose... C'est effectivement le cuivre à TP grande D, on en a besoin de combien? Si c'est bon, je veux juste voir TP grande D nouveau monde. On a besoin de 23 tonnes par minute, hein. C'est énorme, hein, 23 tonnes par minute. Ah, il doit pouvoir la faire, l'aller-retour en... Je sais pas, l'aller-retour, un navire frigorifique, combien ça... Bon, on va voir, on va en laisser qu'un seul. J'hésite à mettre deux navires frigorifiques, en fait, sur le trajet. Mais bon, on va voir. Déjà, ça va bien augmenter, là. Bon, ben, je pense que... Voilà, ben, je pense qu'on a fait tout... Je pense qu'on a fait tout ce qu'on devait faire aujourd'hui. On est allé à 225 000 populations. Ça va assez vite, finalement. On n'a pas fait de grosses évolutions, mais... Ça marche bien. Alors, les étapes à venir avant de vous quitter sur cet épisode, les étapes à venir, on va commencer à regarder, à faire les premiers gratte-ciel, je pense, assez vite. Il y a plusieurs choses, hein. J'ai deux choses en tête à faire. Les premiers gratte-ciel, peut-être avant, j'aimerais réorganiser un petit peu le nouveau monde encore, à savoir essayer d'externaliser mes champs. Alors, pourquoi pas les champs qui sont à Manola et les champs qui sont à TP Grande sur une ou deux îles. Je me dis que ça pourrait être très bien de faire ça pour gagner de la place. Là, on a une petite chute de population là. C'est qui chute? Qui est-ce qui chute? Ouais, non, c'est pas une grosse chute. Petite chute au niveau des ouvriers et des fermiers. Ça doit être du courrier local. Alors, petit... voilà, donc effectivement, ici, les champs, les exporter. Et on sera pas mal, hein, ça fait deux beaux objectifs. J'ai bien envie aussi, lors du prochain épisode, de faire un gros bilan de toutes mes ressources avant d'attaquer les gratte-ciel, voir sur quoi je suis un petit peu tendu, sur quoi je suis large, etc. Je pense qu'on est large sur pas mal de ressources, en vrai. Mais va falloir voir ça. Va falloir voir ça. C'est en train de remonter. Ouais, les fermiers, l'ouvrier. Et les ouvriers, ça, ces petites fluctuations, c'est souvent du courrier local. Surtout quand ça concerne, en même temps, les fermiers et les ouvriers. Je voulais juste voir si les amis artistes, ils ont reçu les bijoux ici. Ouais, ils ont reçu les bijoux. Ils sont contents. On en a combien des bijoux en stock? On a combien? 76. Ok, c'est bien. Ça rebaisse un peu là. Fais voir les artisans. Il y a une petite baisse de l'artisan. Je vais voir à Cap Trélonné s'il n'y a pas un petit souci sur les artisans. Gloire à vous. Nous guider vers un monde meilleur. Je dirais pas qu'il y a de problème. Non, ça doit pas être ici. Si problème, c'est pas ici. Alors souvent, je sais que je suis un petit peu en flux tendu au niveau de mon courrier local. Et ouais, c'est ça. Courrier local ici à côté. Ouais, c'est ça qui fait un petit peu bugger le truc, je pense. Voilà. Bon ben les amis, on s'arrête là pour ce premier épisode de l'année 2024. On va bien évidemment continuer. Prochain épisode, on fait un grand bilan et je vous souhaite encore à tous et à toutes une excellente année.
Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut à tous.